C'est vous qui en prenez la photo. C'est pas un drapeau, c'est un fagnon. Voilà. Vas-y. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Lefebvre et sa fille qui viennent de Paris spécialement, à l'honneur de leur papa qui faisait partie de ma fille, qui s'appelait le monsieur ou sergent Gallier. Voilà, toute cérémonie. Bon, une petite pensée pour eux, si vous permettez. Bien, mais la cérémonie est terminée. De toute façon, voilà. De la résistance. Maintenant, nous allons écouter le message officiel du secrétaire d'État aux anciens combattants. Ensuite, vous aurez une lecture du discours du général Charles de Gaulle qu'il avait prononcé le 8 mai 1945. Et ensuite, un poème de Paul Éluard, Liberté. En ce 8 mai 2015, la France commémore le 70e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. D'autres choisirent de mener sur le territoire national la lutte dans l'ombre. Des gestes isolés qui, dans un même élan et guidés par un idéal de liberté que ces femmes et ces hommes avaient en partage, formèrent ensuite des mouvements et réseaux de résistance. Leur engagement et leur sacrifice nous honorent et nous obligent. Cette année seront parmi nous les derniers témoins vivants d'une histoire qui constitue notre identité. 70 ans après,
Leur voix continue inlassablement de transmettre et d'enseigner. C'est à toute cette génération de la guerre que la nation française rend hommage en ce 8 mai 2015. Un hommage rendu par la remise d'une Légion d'honneur à plus de 1500 anciens à travers tout le territoire, mais aussi un hommage rendu par la voix de la jeunesse appelée à participer à cette journée commémorative. Souvenons-nous enfin de ce que nous devons à cette jeunesse sacrifiée par la guerre et à cette génération de combattants et de résistants qui rendirent à la France sa liberté et sa fierté. Nous leur devons en réalité plus que la liberté. Nous leur devons la paix, celle qui intervient au lendemain de la capitulation des armées nazies le 8 mai 1945. Elle paraît être une évidence, elle est pourtant une valeur inestimable dont cette journée nationale nous rappelle le prix et la fragilité. La guerre est gagnée, voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Tandis que les rayons de la gloire vont une fois de plus resplendir au drapeau, la patrie porte sa pensée et son amour. Dans la joie et dans la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur peine. Honneur, honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Avec nous, vive la France. Sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur les moulins des ombres, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie et de ses frappes, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phrases écroulées, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Alban Aldebert, fusillé. Camille Nourigat, Clément Portal, Justin Couget, membre du maquis de Sévérac-le-Château, mort pour notre liberté. Jules Arjol, Maurice Bourdon, lieutenant Camille Claretto, commandant René Dinomé, représentant du général de Gaulle auprès des maquis de la Réunion, sous-lieutenant Jean-Pierre Douzou, mort pour la France. Par la citoyenne.